Alors ici, on a un cidre fumé, pastèque et citron vert, royal de champignons et épinards, un coulis de melon à l'orgeat et framboise, et un coulis de concombre, crème végétale aux cacahuètes. Il boit avec amour. Oh, c'est gentil, c'est super gentil. Et un petit peu de sel, on aurait pu mettre plutôt du sel fin. Donc ça, normalement, merci. Ce que j'ai prévu, c'est dans l'idée, vous allez goûter l'idée ouais. Que j'ai en première idée, c'est de servir ça avec du moringa. C'est quoi? Ça rappelle le thé vert matcha. Ah. Et justement, le côté végétal et approté, je pense que cuisiner avec un petit bouillon au moringa ou au thé vert, ça doit être sympa. Alors? J'adore, moi. Ah bah oui, mais j'adore le pois chiche. Ben oui, mais c'est encore... Ça, mais tu le sers avec quoi alors? C'est que tu la mets sur... L'huile de cosse de petit pois. Alors, en effet, je fais sur la melonette. Melonette jaspée, c'est une courge. D'accord. Alors, mais je mets mélange d'huile d'olive, donc huile de cosse de petit pois qui est fait sur une base bien d'huile d'olive, sûr, ouais. Et je mets une petite pointe d'huile de noisette. D'accord. Et je mets ça sur les carpaccio de melonette, donc c'est hyper light. Pain aux céréales, pain blanc, pain de campagne. Courge jaune et fenouil, accompagné d'un sorbet harissa et graines de coriandre. C'est un petit cahier de chèvre avec une mousse de fenouil, un petit sablé à la badiane et citron noir viré. Voilà, voilà. Voici donc le carpaccio de melonette jaspée de Vendée, haricots verts et petits pois, crème végétale à peine fumée aux truffes. Collection de tomates accompagnée d'une boule de burrata, huile de basilic et gelée de cassis. Panna cotta de poivrons rouges accompagnée d'un sorbet à l'oseille et framboise. Ça c'est la carotte, oui. Alors ça c'est une poudre de coriandre. Ça c'est un petit biscuit éponge qu'on déshydrate ensuite et qu'on... Ça permet d'aromatiser que ce soit naturel sur tous les légumes. Voilà. Au bon moment, elles étaient sèches, enfin, suffisamment sèches pour ne pas qu'elles s'abîment. Et puis on a un stockage à 3 degrés où là on peut les garder 3 semaines, un mois sans problème. Ah, avec un peu d'humidité, non? Non, pas d'humidité. On les couvre, on les protège, mais on évite l'humidité. J'aurais pensé le contraire. Juste un poil d'humidité pour qu'elle ne se déshydrate pas. Ah, le problème, c'est si on met de l'humidité, ça risque de... La moisir, non? Oui, ouais, c'est ouais, ça. Et dès qu'il y a un petit foyer infectieux dans le... Ça part tout de suite. Et ça vient de Romorantin, chez Monsieur Charles. La petite pâte de citron, on est là. C'est bon, ah, tu l'as mis, ok, très bien. Très bien. Ça, c'est le miel du domaine, le miel à Bella, avec les ruches qui sont à côté de l'étang là-bas. Oui, on l'a vu. Oui, les clients sont contents. Et... Bah oui. En fait, ils développent un petit peu plus sur ce côté-là. Et ensuite, on a le siphon, c'est une émulsion carotte, huile d'olive, jaune d'œuf. C'est ça. C'est la carotte, c'est une pâte briochée. Ouais. Ah, c'est une pâte feuilletée. Pâte feuilletée. Oui. Parce que toi, je voyais pas. Pâte feuilletée avec quelques graines de cardamome. On est bon. Ensuite, remets un peu d'huile d'olive, peut-être. Fleur de sel.
Et voilà, on est prêt. C'est incroyable. Après, je vais passer la carte. Et voilà. Voici donc la carotte en croûte feuilletée à la cardamome verte et pâte d'agrumes. Revenons nouveau. Le prédessert, petite douceur à la pomme et cannelle et miel du domaine. Thank you.
Gaël Renard. Gaël Renard. Ouais. Ok. Voici donc la fraise, son sorbet à l'estragon, ils sont tout magiques. La framboise parfumée au cassis, meringue fondante au citron et basilic. Et le carré de chocolat, ils sont primés à l'ancienne. Pâte de fruits aux fruits rouges, calisson au citron, madeleine au miel du domaine et financier au chocolat. Merci. Je vous en prie.